tu me regardes, wesh. Wesh, arrête de me regarder là, je vais m'énerver. Ah ouais, c'est vrai, je fais une vidéo. Donc c'est obligé que les gens me regardent. Eh bien, salut à tous et à toutes ces petites rags. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo découverte. Ouais. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter ce petit jeu. Quand je dis bien petit jeu, c'est tout petit jeu. Il est sorti il y a que 2 semaines sur le Play Store. Il est sur Android et iOS, bien sûr. Il se nomme Prison Royale. C'est un Battle Royale, mais en prison. Voilà. Mais c'est assez, assez original le contexte. C'est-à-dire que. Pas que ce soit en prison, mais la manière dont vous pouvez gagner. Je trouve ça assez original. Comme vous pouvez le voir, là on est sur l'interface et l'interface est très très simple. C'est comme je vous l'ai dit, le jeu il a 2 semaines. On peut encore cliquer sur rien. Vous pouvez cliquer sur rien. Le seul truc sur lequel vous pouvez cliquer, c'est Battle. Ça veut dire qu'ils ont enfin ouvert leur serveur, donc du coup vous pouvez enfin jouer en ligne. Il y a un système de trophées comme vous le voyez en haut. Donc là je suis déjà au rang 3. J'ai 169 trophées. À gauche, juste à côté de moi, là juste ici, vous avez tout ce qui est IMAT, Store, Social. Ça, pour le moment, on ne peut pas encore y accéder. Et en bas, là, juste en dessous, là, vous voyez qu'il y a 2 caisses. Et ces caisses-là, on dirait énormément des caisses de Brawl Stars. Mais bon, ça, on va rien dire. Donc, bien sûr, j'imagine qu'il y aura un système de pièces et un système de gemmes. C'est-à-dire tout là-bas. On a juste un personnage. Le skin du personnage pour le moment est aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber avec ce personnage-là comme avec un autre personnage. Ça ne changera rien. Le but du jeu, de s'évader en prenant l'hélicoptère. Et pour prendre l'hélicoptère, il faut avoir 500 de pièces. Donc c'est tout simple. Vous éliminez vos ennemis. Vous cassez des objets. Vous ramassez des pièces. Et une fois que vous avez cumulé 500 pièces, vous vous barrez. Donc voilà. Petite précision. Comme vous voyez, j'ai enfin un vrai micro. C'est pour entendre ma douce voix en vidéo. Donc voilà, donc les amis, si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et à vous abonner si c'est pas déjà. Donc ouais, j'ai sorti le petit débardeur parce qu'aujourd'hui, je suis en prison et il va falloir que je m'échappe. Donc, petite dernière chose, comme vous le voyez, j'ai pas pu me rename, donc pour le moment, je m'appelle Player One. Voilà, j'ai pas pu me rename. J'espère très vite qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, c'est sûr, parce qu'il est sorti il y a 2 semaines. Là, ils ont juste ouvert quelques petits trucs, quand vous le voyez, tu sais, dans les notes sur iOS, on le voit beaucoup, sur Android, je sais plus comment c'est, mais sur iOS, on le voit. Les dernières mises à jour qui ont été mises et le jeu n'a que 2 semaines et voilà, je crois qu'ils ont fait une seule mise à jour mais voilà, je sais plus à quoi ça correspond mais rien d'intéressant, mais ce qui est sûr c'est que ce jeu, il risque de promettre. Donc on est parti pour cette première game, c'est parti, let's go. Ok, recherche de player, 22 sur 22, c'est parti. Bah voilà, comme vous voyez, il y a différents. Par contre, eux, ils arrivent à avoir leur nom. Alors je sais pas si sur Android, vous pouvez avoir votre pseudo. En tout cas sur iOS, vous ne pouvez pas. Différentes façons hein, de craft lore, c'est-à-dire soit vous éliminez vos ennemis, soit vous cassez des objets. Voilà, donc là j'ai ramassé la mitraillette. Voilà, attendez, eux. Oh oh, il y a du monde là. Oulala, oulala, je me casse. Oulala, oulala, oulala. Molo, molo, l'astico là hein. Bon, c'est pas grave, c'était la première game. Comme ça, je vous ai expliqué vite fait le contexte, hein, c'était rapide. Mais on perd pas de temps et on part directement pour cette deuxième game là. Et je vais prendre mon temps de vous expliquer comment ça se passe. Parce que là, c'était un peu bref, hein. Ah ouais, très bref même. Alors, vous savez quoi, je vais pas la jouer rapide, là, je vais prendre mon temps. Donc voilà, faut casser les objets. Et en cassant les objets, vous avez de l'or qui sort. Par moment, pas tout le temps. Par exemple, les objets comme ça qui clignotent, ça faut les casser et eux ils vous donnent de l'or. Donc là, je suis à 32 d'or. Je vais m'en mettre dans ma cellule comme ça personne ne va venir me faire chier. Comme vous le voyez en haut à gauche, il y a un compte à rebours, c'est-à-dire vous avez 4 minutes de temps de jeu maximum, vous avez 20 ennemis, il y a 0 policiers pour l'instant et il y a 77 morts. C'est-à-dire quoi ça? Je ne sais pas. Je sais pas, le nombre de pièces d'or que vous avez sur les 500. Une fois que vous avez les 500, vous pouvez partir. Petite particularité de ce jeu que je trouve assez original, vous pouvez changer le mode de vue. Par exemple, vous pouvez passer à ce mode de vue-là. Vous pouvez passer à ce mode de vue-là. Par contre, ce mode de vue-là, il va être, je pense qu'il va être, revu parce que comme vous pouvez le voir, il manque des éléments. Par exemple, là ici, il manque la grille. Voilà, donc vous pouvez viser avec les armes quand vous en avez, bien sûr. Vous avez celui-là, encore plus loin, plus haut. Et du coup, vous revenez à la vue de base. Alors, attendez. Lui, hop, il va me donner son arme. Parfait. Donc là, vous voyez qu'il me donne 2 types d'armes, la batte et le gun, et un lingot d'or. Donc, je ramasse tout ça. Donc là, petit pompon d'or, c'est parti, let's go. Je vais vous montrer comment on peut crafter de l'or. Faut que je trouve des objets qui clignotent. Bon, alors toi, je vais pas te laisser le sauve. Vous pouvez pas me laisser tranquille là s'il vous plaît.
Ok. C'est bon. Ouh. Donc là, je vais ramasser les lingots d'or. Et les pièces aussi, également, j'avais oublié. Je vais ramasser la mitraillette à la place du gun. Pensez à bien sélectionner l'arme que vous voulez changer avant de changer. Hein. Là, je vois qu'il y a des kits au milieu. Donc voilà, ça, c'est la zone pour s'évader. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez les 500 pièces, et bah, vous pouvez vous évader. Ok, parfait. Je suis à 215. Ah, là-bas, la porte vient de s'ouvrir, c'est qu'il y a du monde. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a plus de 2 joueurs et il y a 10 policiers. Donc j'imagine que ça va être le premier qui aura 500 pièces. Je suis à 367. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, j'ai fait top 2. Là, faut que je fasse au moins un top 1 pour que je vous montre comment ça se passe pour avoir les 500 pièces. Donc là, je vais train et puis je vais me concentrer un peu plus. On est parti, let's go. Ok, donc là, on est parti pour une nouvelle game. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller craft un maximum d'or en cassant des objets. Voilà. Là, j'imagine qu'il y a des trucs à ramasser. Non, 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 non. Bon. Et là-bas, il y a un pompe. Ok, parfait. Bien sûr, hein, vous n'avez pas des balles illimitées, donc pour craft les objets, je vous conseille d'utiliser tout ce qui est bat de baseball. Là, il y a un petit pompe en or. Je vais quand même le changer. Ouais. Oh, la mitraillette en or. Oh, il me la faut. Ok, parfait. What? Non mais ils veulent ma mort, décidément ils veulent plus que je fasse de top 1 là. Vous savez quoi, je vais arrêter de faire du commentary. Même si là j'ai fait top 1, je vais au moins envie de m'évader. Donc c'est ce qui va se passer. Ah bah encore un autre skin, ok c'est parti, let's go. Bon comme vous l'avez remarqué, hein, c'est des parties qui sont très très rapides. Ah bah il y a une mitraillette en or. Bien sûr hein, le spawn des arbres est aléatoire. Donc vous pouvez jamais retrouver les mêmes armes au même endroit. Ça c'est bien, parce que ça aurait pu être un défaut. Mais non non non, ça c'est bien. Ok, donc là-haut, il n'y a plus de policiers. On a encore 10 joueurs. Par contre, je sais pas à quel moment spawnent les policiers. Ça, c'est une question que je me pose. Soit c'est un cycle, et là, du coup, il y en a 10 qui sont apparus d'un coup. Et on dirait bien que c'est un cycle. Ok, je suis à 161. C'est pas folichon, le petit cornichon, quoi. Ah, je pensais qu'on allait le faire. Là. Mais on l'a pas fait, du coup... Oula, mais encore une fois, oula, oula. Je cours. C'est pas moi. Si j'ai le temps de ramasser. Ah, c'est bon. Je fuis. Alors, j'ai pas envie de savoir s'ils me suivent ou pas. Je vais courir pour le moment, tant que je peux courir. Je vais prendre ce pompe en or, là. Ils me suivent, hein. C'est bon, je suis à bientôt. 92, 94, 98, 99. Plus qu'une seule. Oh, je la crafte.
529. C'est bon, je peux fuir. C'est bon, c'est bon. Vite, vite. Il est où l'hélicoptère? Il est où? Il est où? Il est là, il est là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on va réussir à s'enfuir? Est-ce que je vais réussir à m'enfuir? Laissez-moi tranquille. Donc du coup, faut rester dans la zone pendant 8 secondes, si je me trompe pas. Et au bout de ces 8 secondes, c'est... Attention, les chats, pas toi. Royal Escape. Wow, let's go, top 1, plus 21 trophées. J'ai fait 16 kills durant cette partie. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce jeu. Bien sûr, ne le critiquez pas maintenant. Et si vous pensez que vous allez vous en lasser très vite, n'y jouez pas pour le moment et attendez les futures mises à jour. Bien sûr, je vous ferai des vidéos dessus avec grand plaisir parce que ce jeu peut promettre. Donc voilà, le petit pouce bleu, le petit commentaire, hein. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Prison Royale. Et puis bien sûr sur The Joe Mobile. J'espère que la qualité du son est bien mieux grâce à ce vrai micro. Moi j'espère en tout cas. Et si c'est le cas, bah tant mieux pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Ne soyez pas pressés. Quand un jeu mobile sort, attendez un peu. C'est ce qu'il vaut mieux savoir. C'est ce qu'il vaut mieux. Sur ce, bye bye.